Bonjour. Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils des entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui avec David Quentin, aujourd'hui avec celui que j'ai surnommé affectueusement le phare qui illumine la route des entrepreneurs de Québec et au-delà en fait des remparts de Québec, avec une présence extrêmement riche et enrichissante et authentique sur LinkedIn. Salut David. Salut Mathieu. Merci beaucoup. Comment ça va? C'est beaucoup d'éloges en commençant. J'espère que je serai à la hauteur. C'est clair que tu es à la hauteur de ces éloges et encore plus. Tu as semé des choses dans les dernières années sur LinkedIn qui ont porté fruit, pas juste pour toi, mais pour plusieurs personnes. Et... je vais commencer. On va regarder un peu ton parcours, faire une histoire un peu brève de ton histoire. Mais évidemment, avec toi, je voulais jaser réseautage parce que moi, je t'ai connu. Beaucoup de gens, je pense, t'ont connu à travers le réseautage d'affaires, le réseautage d'affaires virtuel maintenant en temps de pandémie. Et on va enrichir le coffre à outils des entrepreneurs aujourd'hui sur toutes les bases qu'ils ont besoin d'avoir au niveau réseautage. Comment utiliser le réseautage pour aller chercher de nouveaux clients, pour aller chercher de nouveaux collaborateurs, fournisseurs, pour enrichir la relation avec ces gens-là. Donc, on va commencer par... J'aime beaucoup... Hop, là, j'ai pas le bon... attends un petit peu, on va enlever ça ici. Je vais partager ton profil LinkedIn. J'en profite pour dire bonjour aux gens dans le chat, t'en fais pas. Oui. Je m'occupe. Patrick qui est là. Salut Patrick. Patrick, Dave, Nadine qui est avec nous autres. Voilà. Ah. On a ton profil LinkedIn à l'écran. J'aime bien m'attarder tout d'abord au titre qui est en dessous des noms sur LinkedIn parce qu'on y trouve souvent des perles. Évidemment que le tien est rempli de perles. Tu apprends aux vendeurs et aux équipes de vente ambitieuses à trouver, séduire et convertir leurs clients sur LinkedIn. Écoute, toute la valeur, tu sais, la valeur est là. On sait à qui ça s'adresse, on sait ce qu'on va obtenir comme valeur à travailler avec toi. Je trouve ça extraordinaire qu'en une dizaine de mots, tout est là, tout est dit. Et ça continue, formateur, conférencier, stratège marketing et animateur du show live Réseaute-moi ça. Ça fait combien de temps que Réseaute-moi ça existe? Ça fait combien de temps que tu as commencé le show? J'ai commencé ça au mois de novembre passé. J'ai le live depuis l'été passé 2020 et c'était quelque chose que je ne voulais pas faire à la légère parce que je voulais que ça ait bon, ma couleur habituelle, ma touche habituelle. Mm-hmm. Je voulais aussi que ça ne soit pas moi le cœur du spectacle. C'est-à-dire que je suis peut-être l'animateur, mais j'ai un invité, mais j'ai aussi 8, maintenant 9 collaborateurs et collaboratrices, des hommes et des femmes mélangés. Et on a ensemble une synergie toute différente et c'est ça que je voulais créer. Donc, ça m'a pris un certain temps à bâtir avant qu'on soit en mesure de faire le show ensemble. Et le show a donc changé de formule aussi en début d'année parce que la synergie avait laissé place à autre chose. Mais c'était moins à mon goût, mais c'était moins à notre goût en général aussi, là, les collabos et moi. Puis là, bon, on a une formule plus fun. Alors, je te dirais que ça fait seulement 3 mois que je fais ça.
Tu l'as essayé un peu, le live, au tout début. Tu avais un show hebdomadaire, je pense, ça se peut-tu? Ou oh, oui, quand la pandémie est arrivée, j'ai lancé quelque chose, web à faire. Je me disais, les gens vont s'ennuyer chez eux. Comment on va faire parler de business sans se faire envahir par les cochonneries de la radio et de la TV? Là, je trouvais ça envahissant, épouvantable. Pas que c'était pas nécessaire de le suivre. Au début, on était très inquiets, mais je voulais qu'on parle de d'autres choses. Alors, j'ai lancé ça un dimanche soir, puis je me suis fait avoir. Les gens ont dit, je vais être là. Puis j'avais 40 personnes le premier lundi après-midi, 4 heures. Et ça, je faisais ça par Zoom à ce moment-là, parce que je n'avais pas le live. Alors, je diffusais sur Zoom, les gens se connectaient librement. C'est comme ça que j'ai commencé ça. Ça a été une expérience très formatrice. J'ai développé des relations, plus d'amitié dans ce cas-là que des relations d'affaires par la suite. C'était belle fois. On est peu de gens, soit à avoir le live, ou en tout cas, du moins, à l'utiliser au Québec. Il y a une poignée de personnes à Mokrane qui l'a utilisé avec brio. Il a fait... pendant quasiment un an, il a fait un show 5 fois semaine. Je lui lève mon chapeau parce que c'est quand même... Il a fait 100 consécutives. Hein? Oui, c'est ça, il a fait 100 épisodes. Exact, c'est ça, tu as raison. Puis là, il va revenir éventuellement avec une nouvelle formule. Bref, c'est définitivement quelque chose. C'est une opportunité de réussir à avoir accès à LinkedIn Live. Ça donne vraiment une belle visibilité. Toi, tu es reconnu, entre autres, aussi parce que tu as cofondé LinkedIn local Québec. Oui. On parlait d'Amokrane qui, lui, est du côté de LinkedIn local Montréal. Moi, j'ai cofondé avec Mathieu Laferrière LinkedIn local Laval. On fait toute partie de la belle famille LinkedIn local. Et ouais, moi, qui viens de loin par rapport au réseautage, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais un introverti, ça me terrorisait. Moi, l'idée d'aller réseauter, je mettais le pied dans la porte d'un événement réseautage, puis j'avais le goût de me sauver. Des fois, je me suis sauvé, je me trouvais des excuses. Et j'ai appris, à force de sortir de ma zone de confort, j'ai appris à aimer ça. Mais il y a des trucs que j'aime pas dans le réseautage. Le mitraillage de cartes d'affaires, les gens qui font des monologues ou des pitchs et toutes les formules un peu style BNI, c'était moins pour moi. J'y retrouvais moins mon compte. Quand j'ai découvert le LinkedIn local, je suis tombé en amour parce que c'est des gens d'une générosité extrême, mais c'est aussi des gens qui sont très focus et qui sont là pour la grande majorité des gens que j'ai rencontrés dans des LinkedIn locales sont là vraiment pour enrichir leur relation professionnelle, voilà. Pour s'apporter de la richesse et pas tant pour vendre, pas tant toujours être en mode vente. Et souvent, les LinkedIn locales sont teintées aussi de conférences, de thèmes, donc tout le monde y trouve son compte. Explique-moi un peu d'où tu viens par rapport à LinkedIn local, comment c'est arrivé dans ta vie, puis comment justement les LinkedIn locales sont une bonne ressource pour les entrepreneurs. Ben écoute, d'où ça vient pour moi? Moi, j'étais déjà parti sur l'optique depuis presque 2 ans, 1 an et demi certain, où je m'en allais travailler comme un solitaire. Là. J'allais développer ma propre entreprise, travailler autonome, me lancer en affaires. Pour moi, c'était terrorisant. Si pour toi, le réseautage est terrorisant, pour moi, me lancer en affaires l'était. Et ça me prenait tout mon petit change pour aller chercher du positif dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis c'est grâce à LinkedIn que je m'étais désensibilisé de mes préjugés sur l'entrepreneuriat. On avait déjà parlé, moi j'ai été avec des patrons un peu voleurs sur les bords ou qui n'avaient pas nécessairement les valeurs que j'avais, qui je partageais pas leur vision des choses de l'entrepreneuriat. Donc LinkedIn m'a appris à découvrir des gens qui avaient des valeurs qui me représentaient moi, qui me correspondaient. Et je me disais, OK, je peux aller plus loin là-dessus. J'ai entendu parler de LinkedIn local par l'entremise de John Merritt à Montréal, d'ailleurs. Donc, par John, j'ai organisé le premier LinkedIn local. J'ai eu la chance, moi, d'être dans les premières cohortes qui ont rencontré les 4 fondateurs de départ. Mais j'ai rencontré la créatrice, moi, Anna McAfee. C'est elle qui m'a parlé de LinkedIn local pendant une rencontre d'une heure. J'ai eu un pour un avec elle. Puis, j'ai eu la chance d'apprendre ce que c'était, comment est-ce qu'elle avait mis ça au monde, cette idée-là. Et moi, j'ai adhéré à ça à 100%. Pas de carte d'affaires, les gens derrière le profil, bref. Une vraie conversation autour d'un café dans ce cas-là ou d'un verre. Alors, moi, c'était devenu pour moi une façon de sortir de mon sous-sol pour faire des activités, des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Alors, je m'ennuyais de ça. Ça faisait longtemps que je m'isolais pour différentes raisons personnelles et professionnelles, mais là, j'étais isolé à cause du boulot. Donc, j'ai organisé le premier avec François Latulippe et puis un autre collaborateur. Et Frank et moi, on est restés des amis par la suite. Puis c'est encore avec lui que j'organise le LinkedIn local d'ailleurs. Et c'est désormais aussi mon acolyte chez V3. Puis c'est mon partenaire et mon co-animateur pour Réseaute-moi ça. François et moi, on est devenus des amis. Là. C'est plus une relation dite de réseautage pur. Là. On se parle souvent, on fait toutes sortes d'activités ensemble. On partage une bonne bouteille de scotch une fois de temps en temps aussi. Toi, puis moi, on a déjà fait ça aussi. Dans le passé. Donc, ça a été le point de départ pour créer le
cette activité LinkedIn Local Québec qui a été si populaire si vite. La raison étant qu'il n'y a rien qui existe de ce type-là à l'heure actuelle. Et c'est encore unique. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre équivalent. Ce qui fait de cette activité-là quelque chose de tellement spécial, c'est que pendant un LinkedIn local, on ne veut pas savoir tant ce que tu fais dans la vie. On veut plus savoir qui tu es dans la vie. Mm-hmm. Et donc, la différence est majeure. Là. On le sait, tu l'as parlé, tu en as glissé un mot tout à l'heure. Carte d'affaires, pitch de vente, et patati et patata. Plein de choses un peu froides et désagréables. Une autre chose qui ne se produit pas dans la réalité locale, c'est le regroupement des vieux copains ensemble. Là. Ceux qui vont... Les chambres de commerce sont un exemple typique de ça, où tu rentres, puis tout le monde est déjà avec ses vieux chums, puis tu n'as pas ta place nulle part. Il n'y a pas d'espace dans le cercle pour que tu puisses t'insérer dans la conversation. On te laisse pas ta place dans le cercle pour que tu puisses... Mais c'est ça. En fait, tu touches à un point important. Les LinkedIn locales sont souvent dirigées. Les organisateurs ne sont pas juste là pour ramasser, récolter des billets puis laisser les gens réseauter. C'est souvent dirigé, puis on va faire un effort pour aider, par exemple, les gens qui sont peut-être plus timides ça à connecter. Vraiment, il y a des activités qui sont organisées. C'est intéressant parce que toi puis moi, on a un autre point en commun. On vient tous les deux, avant d'être en affaires, du monde de la relation d'aide. Et donc, je pense que tous les deux, on a un peu ce parcours-là, être salarié puis être un peu dans un monde un peu des fois cynique, ça nous a complètement découragés. Puis on a tous les deux le persona où il fallait qu'on soit en affaires pour être capable justement peut-être de réellement incarner nos valeurs puis de pouvoir les utiliser dans des initiatives, dans des projets, dans des offres de services, dont entre autres les LinkedIn locales. J'en profite pour saluer, il y a beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Simon, salut Patrick, Richer, Andréane, Mathieu Arcan, Magdalena, bonjour, salut Patrick, Steve Jutra, Stéphanie Leblanc, Denis Foucault, ça fait longtemps que je ne t'ai pas croisé, Denis, salut. Magdalena est une... Si vous avez des questions, n'hésitez pas, rajoutez-les, puis quand on va avoir le temps, on va y répondre. Magdalena est une habituée des LinkedIn Local Québec, en personne et en virtuel. Mathieu Arcan est un nouveau qui a participé mardi passé au premier LinkedIn Local avec nous. Et je pense qu'on lui a donné la piqûre. Tu nous diras, Mathieu, si c'est le cas. Simon, ben là, participe au mien maintenant parce que c'est un gars de Montréal, mais il vient à Québec pour LinkedIn Local virtuel. C'est le gros avantage qu'on a. Ouais. On était 61, Mathieu, la semaine passée. Mais écoute, je le sais que les événements virtuels, on la cote. Moi, le one-on-one, ça me plaît bien, mais le réseautage virtuel de groupe, j'y trouve moins ma place. C'est drôle parce que ce qui me manque le plus depuis le début de la pandémie, c'est bien évidemment le réseautage de groupe. Réseautage virtuel de groupe, j'ai de la difficulté parce que j'ai l'impression que c'est moins facile de connecter. Il n'y a pas la chimie de rencontrer en personne. Et souvent, tu as des gens qui vont monopoliser la conversation ou... Fait qu'il y a plus de laisser pour compte, peut-être. Du moins, c'est mon impression. C'est quoi la force du virtuel? En ce moment, là, si on prend les LinkedIn locales virtuels, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on... J'imagine qu'évidemment, il y a les frontières. Déjà, on n'a pas à se déplacer. Fait qu'on reçoit des gens qui viennent d'un peu plus loin. Tout à fait. Mais sinon, mis à part ça, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous autres, dans les LinkedIn locales Québec pour que ce soit gagnant vraiment pour tout le monde? Ah, tu as bien raison. Déjà, la barrière de la localisation géographique vient de disparaître. Ça, c'est fantastique. Maintenant, comment on peut faire pour que ça soit le fun pendant une soirée comme ça? Nous, ce qu'on a décidé de faire, parce que Frank et moi, on a toujours été un peu farfelus. Là, tout ça, on en avait parlé à Montréal. La structure est un peu plus conventionnelle dans le sens où elle se répète un peu plus. Nous autres, on a eu ça se répéter. C'est pas parce que c'est pas une bonne idée, mais parce que Frank et moi, on n'y arrive pas. Alors, on a décidé d'y aller toujours avec une formule différente. Donc, le sujet change, mais là, avec le virtuel, on peut moins faire ça. À être très créatif dans notre concept. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place deux choses. Une courte conversation sur un sujet précis, une courte conversation. Puis on insiste sur le cours, on va étirer ça jusqu'à 30 minutes maximum, incluant des petits trucs sur LinkedIn et le sujet avec nos deux invités. Là, la dernière fois, c'était deux invités. Parfois, on en a juste un aussi. Donc, quand tu dis conversation, c'est quoi? C'est il y a une personne, deux personnes qui parlent, puis les gens posent des questions? Et les gens peuvent interagir parce qu'on ferme, on ne demande pas aux gens de fermer leur micro nécessairement. On a eu des interactions très agréables. On a des gens qui se permettent de parler un peu plus. Et oui, à ce moment-là, oui, il y a des gens qui vont mentionner leur point de vue une fois, deux fois, mais c'est rare que quelqu'un va prendre le crachoir et le garder. Même nos invités, souvent, vont avoir tendance à dire « je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres ». Et là, les réponses fusent, les questions fusent. Mais avant de faire ça, il faut absolument faire un brise-glace. Nous autres, on adore faire ça. C'est un de nos moments préférés. Alors, la dernière fois, notre sujet,
de brise-glace, c'était comment on fait ça? On va dans Zoom, puis on fait des breakout rooms, des petites pièces dans lesquelles on va placer 5 personnes au maximum. Pas 6, pas 7, 5 personnes au maximum. Et le but, et on explique aux gens, c'est de faire passer tout le monde sur une période de 15 minutes. Tout le monde ait le temps de jaser, pas un pitch de vente. C'est une des premières choses qu'on demande de ne pas faire. S'il vous plaît, ne faites pas de pitch de vente. S'il vous plaît, présentez-vous donc sous le regard que vous aimeriez qu'on ait sur vous. Ensuite, le mardi passé, c'était ça notre sujet, c'était dites-nous quelque chose que vous n'auriez jamais osé dire dans les médias sociaux. Donc ça amène des conversations toujours très agréables, très, très drôles parfois, très croustillantes par d'autres moments, on ne savait pas des gens. Mais d'ailleurs, tu disais tantôt, les gens prennent parfois, on a du mal à connecter. Puis je te rassurerais sur une chose, la semaine passée, il y a 5 filles qui n'ont pas voulu nous partager leur sujet de conversation quand ils sont sortis de la petite pièce. Parce qu'ils ont dit, je ne sais pas si ça se partage avec tout le monde, mais ils ont ri beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, ils ont eu une discussion de filles, semble-t-il. C'est quelque chose qui est bon, qu'on connaît. Les gars ont parfois le même genre de discussion, alors c'était vraiment typiquement discussion de filles. Ils n'ont pas voulu revenir sur tous les détails de ça après, mais beaucoup d'allusions se sont apparues pendant les 2 heures où on a été ensemble. Donc, et ces filles-là ne se connaissaient pas, soit dit en passant. 5 inconnues dans la même pièce sont devenues comme des vieilles chums de filles avec un verre de blanc en pyjama dans le salon. Tu vois, ça je parlais récemment avec Mathieu Laferrière parce qu'on se disait, bon, parce que tous les deux, on n'a pas fait de LinkedIn local Laval virtuel jusqu'à maintenant. Puis on se disait, quelle est la formule qui fera en sorte que nous, on aurait le goût de participer, de faire un LinkedIn, une première édition d'un LinkedIn local Laval virtuel. Puis on s'est dit, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si tu connais l'entremetteur. Oui. Bon. Léo derrière l'entremetteur, le principe est vraiment le fun parce que les gens qui participent répondent à des questions. Qu'est-ce que je cherche comme fournisseur? Qu'est-ce que je cherche comme client, etc.? Où est-ce que je suis en ce moment dans ma business? Puis après ça, il fait des mariages. Il met les gens en petits groupes de 5, 6, 7, 8 personnes et ces gens-là échangent. Fait que il y a des matchs, entre guillemets, qui sont faits. Fait que là, on s'est dit, peut-être que ça pourrait être intéressant d'utiliser Discord parce que Discord, je ne sais pas si tu connais un peu l'application Discord. Oui, oui. L'application de gamer principalement, mais c'est aussi une belle application où tu peux avoir une pièce principale puis plein de petites pièces, mais tu peux te promener d'une pièce à l'autre. Voilà. Donc, tu pourrais avoir des... Fait que là, on est en train de réfléchir justement, mais j'aime beaucoup parce que je vois qu'un des commentaires qui ressort beaucoup en ce moment, Christine en a parlé, Denis aussi, c'est que les breakout rooms, Sophie Gagnon en a parlé, les breakout rooms sont vraiment très appréciés. Puis, j'imagine qu'un des trucs qui fait la force d'un breakout room, c'est que ce soit dirigé, qu'il y ait un thème. Parce que si tu mets des gens dans une pièce, puis que là, tu te dis, bon, ben allez-y, réseauter. comme c'est virtuel, les gens sont comme plus gênés de commencer. Moi, j'ai été dans des situations comme ça où j'essayais de prendre le lead, même si je n'étais pas animateur, parce que c'est difficile tu as toujours des gens négligés qui sont plus timides, plus réservés. J'aimerais ça qu'on aille dans le pratico-pratique parce que là, ça fait 20 minutes qu'on jase un peu des LinkedIn locales. Quels sont les premiers conseils, les grands conseils que tu donnerais à des gens pour que leur réseautage rapporte réellement, pour que leur réseautage soit fructueux? Bon, première chose, là, c'est assez simple et vous le savez certainement, les gens aiment parler d'eux. Oui, ça, c'est une première chose. Donc, c'est pas de l'égocentrisme ou de l'égoïsme. Là. C'est la réalité des choses. Notre principal sujet dans la vie, c'est nous. On va se le dire, franchement. Alors, la première chose qu'on ne doit pas faire en réseautage, c'est parler de nous, mais bien faire parler les autres d'eux. Alors, la première chose à faire, c'est de se garder en tête qu'on ne va pas là pour parler de nous. Quelqu'un va nous poser une question. Quand ça arrivera, la question, on répondra du mieux qu'on peut. Mais le premier conseil que je donnerais, c'est soyez donc le premier à poser une question plutôt que d'être le premier à dire quelque chose. OK, bien, tout de suite, je prends ça au bon. Vas-y. C'est quoi les questions que tu aimes le plus poser, les questions que tu trouves le plus pertinentes ou peut-être une question même que tu as entendu quelqu'un poser, tu as fait « Ah, wow, ça, c'est sharp comme première question. » Donne-nous quelques exemples. J'ai déjà entendu quelqu'un dire « Fait que là, ce soir, au lieu d'aller voir un show de telle affaire, tu as décidé de venir ici. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu y trouves à venir dans une activité comme ça? » Là, j'ai trouvé ça vraiment bon comme question. Ça désensibilise, ça fait un peu d'humour avec ça. Par exemple, à Montréal, ça se pose bien. Au lieu d'aller à un match du Canadien, tu as préféré venir ici à soir. Peux-tu m'expliquer ce que tu viens faire ici? J'aimerais bien ça le savoir. Puis là, ça brise la glace. Ça permet aussi à l'autre personne de te retourner la balle. Ça, c'est clair que tu vas le recevoir ensuite parce qu'il va dire « ça, c'est ma réponse ». Mais là, toi, tu n'es pas allé au match du Canadien à soir. Alors, la conversation va dans cette direction-là rapidement. Ça, c'est une première question de fond. L'autre question que j'aime bien demander, c'est souvent quand les gens se présentent dans une activité comme ça, viennent pour une raison particulière. Est-ce que ce soir, tu avais un objectif?
Si oui, quel est-il? C'est autre chose que poser la question de l'humour. Ça peut être vraiment ton objectif professionnel. Avais-tu un objectif professionnel ou personnel ce soir? Puis quel est-il? Personnellement, je serais plus à l'aise de poser cette question-là comme deuxième question. Peut-être, oui. Que ça, je ne sais pas, je trouve ça... J'aime bien ta première parce que ce qui est intéressant, c'est que ça crée un rapport. Ça crée une proximité, ça crée une chaleur, ça crée un lien amical, plutôt que d'être un peu... Mais il n'y a pas de question magique, Mathieu. Ouais, je pense que la meilleure chose que je pourrais donner comme conseil, parce que j'en avais trois, en fait, à donner aux gens aujourd'hui. Le premier, poser des questions aux autres, ça, c'en est une. Mais le deuxième, c'est rester donc naturel. Moi, je suis un gars avec un humour de père. Mes gars n'arrêtent pas de me le dire. T'es plate, papa, tes jokes sont pas drôles. Mais dans une gang d'adultes, c'est correct, ça passe bien. C'est une joke, parfois, de un peu plate, puis un peu borderline. Mais j'aime bien poser ces petits... J'aime bien faire de l'humour comme ça. J'aime bien poser une question un peu dans le champ gauche, mais je pourrais pas te dire que j'en ai une de toute prête à chaque fois. Donc, moi, là, je vous donnerais... C'est mon conseil, c'est poser d'autres questions qui vous passent par la tête. T'es un intuitif aussi, fait que ça fait du sens que tu ailles selon le beat, l'énergie des gens. Ouais. Un truc qui est parfois malaisant, je pense, en réseautage, c'est vrai d'autant plus dans le réseautage en personne, mais ça s'applique sûrement au virtuel aussi, c'est que souvent, quand tu arrives dans le réseautage, là, tu vois des petits groupes déjà formés. Oui. Puis pour les introvertis, pour les plus timides, c'est plus difficile de joindre un groupe. Moi, comme réseauteur, je suis toujours à l'affût de gens qui se promènent, puis je garde mon nom verbal, j'essaie toujours d'avoir une ouverture, tu sais. Fait que, pardon, s'il y a des gens qui sont à ma droite, je vais essayer d'avoir une ouverture à ma gauche pour que quelqu'un puisse se joindre. Puis si je vois que la personne hésite, ben je vais carrément aller la chercher puis l'amener. C'est comme un excellent truc. Oh oui. Merci. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens pour bien s'intégrer, pour bien justement rentrer dans un groupe comme ça, pour battre leur gêne de réseauter? Ah, ça. Je pense que la première façon de voir les choses, c'est que si tu arrives dans une activité de réseautage avec des intentions et des attentes très précises, ça va tout de suite être un problème parce que tu vas chercher à trouver quelque chose dans la salle ou dans une salle virtuelle et tu risques de pas le trouver. Puis si tu le trouves pas, le premier malaise va se créer. Le premier malaise, il est personnel. Personne ne va être au courant de ça. Mais tu vas avoir un blocage qui va t'interdire. Zut, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Par exemple, j'ai pas trouvé le gars que je pensais qu'il serait là, la fille que je pensais qu'il serait là. Je ne l'ai pas dans la salle. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Là, je suis fourré. Il me manque une donnée. Alors après ma barre, ne pas se créer d'attente puis se dire, je vais aller poser la question à quelqu'un. N'importe qui. On s'avançait puis dire « Chin-chin, on boit-tu la même chose ce soir? » Hey, c'est une question niaiseuse. Hein? On a chacun un verre de blanc, puis on fait « chin » sur le verre de blanc. Non, moi j'ai choisi celui-là, toi lequel? Quelle question simple pour commencer les choses? Par réseautage, il n'y en a pas de mauvaises questions, je te disais tantôt. Toi, tu es moins à l'aise avec une, puis certaines autres vont être très agréables pour toi, puis vont être paralysantes pour certaines personnes. Donc, l'idée, je pense, c'est de baser le moins d'attente sur la rencontre qu'on a ce soir-là et y aller avec le naturel. Maintenant, ça, c'est le fun, c'est facile à dire. Dans une salle, je vais amener ça sur l'autre volet, tu l'as mentionné tout à l'heure, en tant que personne dans une salle de réseautage, gardons donc tout le monde en tête qu'on n'est pas les seuls dans la salle et qu'on doit réfléchir à intégrer les autres. Et ça, si on le voit comme ça, ça va faire l'espace dont tu parlais tout à l'heure. Dans nos LinkedIn Local Québec, c'est une drill. Puis on peut le demander à Magdalena, qui était là à quelques occasions. Elle le sait, elle l'a déjà vu, on l'a déjà constaté. On demande aux gens de laisser un espace dans le petit cercle. Vous allez vous retrouver en cercle, s'il vous plaît, laissez une place, toujours une place. C'est bien, je trouve, de le mentionner aux gens et de les aider à les diriger un peu comme ça. J'ajouterais quelque chose parce que je trouve ça intéressant que tu as dit, un conseil que tu donnes, c'est d'y aller sans attente. Moi, le mindset que j'ai en réseautage, surtout pour m'aider justement à quand j'étais un peu plus timide, c'était... J'ai un seul objectif, c'est d'avoir du plaisir. C'est de sortir de cette soirée-là, puis que j'ai eu du fun, ça va être le fun. C'est ça mon mindset. Et donc, dans ce temps-là, tu as moins... Parce que je pense que ce qui peut teinter aussi les interactions négativement, c'est quand tu veux trop prospecter, tu veux trop créer des opportunités de vente, des choses comme ça. Si tu y vas avec plutôt un esprit de « je m'en vais là pour réseauter, développer des relations qui peuvent mener peut-être » parce que c'est une relation riche qui va de toute façon mener vers des opportunités d'affaires. Il y a Denis qui disait, puis je trouve ça intéressant, David, tu poses des questions qui favorisent l'interactivité, mais aussi l'introspection. Effectivement, quand tu amènes les gens hors de leur mécanique, de leur mécanisme réflexe, c'est-à-dire tout le monde est habitué de se présenter un peu de la même manière, si tu les amènes ailleurs puis qu'ils sont... t'es déstabilisé, tu vas avoir des trucs vraiment intéressants, puis tu vas les amener dans leur introspection. Nadine Haddad qui pose la question, est-ce que réseautage
égale small talk. Absolument. Oh oui. C'est absolument ça. Puis c'est là que souvent, les plus analytiques d'entre nous, c'est pas une question de gêne ou pas de gêne, rendu là. On n'est même pas dans l'introverti ou dans l'extroverti. On est vraiment dans la façon de réfléchir. Alors, l'analytique a tendance à concevoir la conversation comme quelque chose qui a un but, un objectif, puis qui doit être réfléchi. Maintenant, on ne peut pas faire ça en réseautage. Si on fonctionne comme ça, on va se retrouver toujours avec une gang d'informaticiens qui vont jaser ensemble. Ou alors, les comptables, les architectes, les ingénieurs auront une conversation. Tous les autres vont jaser autour. Alors, on s'entend, je fais des caricatures. Tout le monde qui me connaît le savent que c'est juste des caricatures. Je m'amuse avec ces jeux-là entre les gens. Mais les analytiques ont plus de mal avec le small talk. Et malheureusement, c'est le small talk qui fait toute la job. Quand on est dans une activité de réseautage, rire, c'est facile pour tout le monde, mais poser une question toute simple et banale, sans orientation vers le travail ou autre chose, c'est plus dur qu'on le pense pour certaines personnes qui sont souvent très posées dans leur façon de réfléchir une conversation ou d'y penser à l'avance. Ça se pense pas à l'avance, malheureusement. Ça se vit, ça s'expérimente. Je pense que c'est là aussi où des techniques c'est pas difficile à développer, des techniques d'écoute active vont être extrêmement pertinentes parce que de pouvoir, tu sais, si on fait juste s'écouter parler, puis que c'est un espèce de match de tennis un peu maladroit, ça ne sera pas fructueux. Des techniques d'écoute active vont être extrêmement puissantes en réseautage. On reformule, on reflète. Donc, exact, si je comprends bien, c'est des petites choses très simples. Ça, quand tu dis, si je comprends bien ce que tu fais, quand on travaille, on résume ce que la personne vient de dire. Des fois, ça a été un peu long. On se dit, je vais être certain d'avoir compris. On peut même le dire, je voudrais être certain d'avoir compris. Si je ne me trompe pas, c'est ça que tu fais. Alors, ça serait ça que tu fais. Oui, c'est un peu ça que je fais. Puis, on a le droit de parler de boulot dans une activité de réseautage. Il n'y a pas de problème, là. Mais si on commence par ça, on rafraîchit un petit peu l'ambiance. On va se dire comme ça, là, je ne veux pas dire refroidir parce que ce n'est pas nécessairement un turn-off, mais c'est certainement une petite fraîche qui nous passe dans le coup. Mais si on reformule et qu'on pose des questions autour de ça, rapidement, la personne qui aura parlé le plus va se retourner à dire « Là, ça fait beaucoup de temps qu'on parle de moi, c'est bien gentil, dis-moi donc Mathieu, puis toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Et là, on va retourner l'appareil parce que les gens qui sont venus en réseautage, c'est pas des gros, tout le monde n'est pas là pour leur égo, là. La plupart des gens sont là pour découvrir des potentiels d'affaires. Un potentiel d'affaires, c'est beaucoup de choses. Puis j'aimerais finir avec ça. C'est que le potentiel d'affaires, ce sont des êtres humains qui rencontrent des êtres humains. Et c'est comme ça qu'on fait des affaires. Vous le savez, tout le monde qui est en affaires, on n'achète pas un service. On n'achète jamais une entreprise. On achète pratiquement toujours un humain. L'humain avec qui on va faire la transaction. Que ce soit la personne qui nous donne le service ou que ce soit celui qui nous présente le produit qu'on va avoir dans notre maison après. C'est l'être humain. Pourquoi on va retourner dans un magasin trop cher? Parce que le vendeur fait un job fantastique, que quand on rentre, il dit « Salut Mathieu, hey man, comment ça va? » C'est-tu que j'ai vu la semaine passée, Mathieu? J'ai vu telle caméra. Tu sais la caméra dont tu me parlais la dernière fois? Tu dis « Man, ça fait 2 ans que je suis venu le voir. » Et c'est pour ça que je reviens ici. C'est pour ça que tu reviens là. C'est pour ça que le gars va te dire « Je peux te faire un petit rabais, mais tu sais, il sera moins cher chez Brick. » Puis tu vas répondre « La merde, on va l'acheter pareil ici. » Parce que le fauteuil est peut-être le même, la caméra est peut-être la même, mais la relation que tu as, elle n'est absolument pas la même. Elle est unique. La qualité de la relation est plus importante. C'est drôle parce que c'est justement ce que j'essaie de traduire le plus possible en vidéo. On achète la personne, la personnalité, ses valeurs, sa façon de faire, avant son expertise, avant son titre. Mais il y a un élément que tu disais que je trouvais ça intéressant parce que tu dis « Ah, peut-être les gens, par exemple, en réseautage à reformuler, qui est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et j'aime beaucoup les faire parler jusqu'à temps que je vois aussi des opportunités de dire, bon, mais mon expertise, est-ce qu'elle peut les aider? Quand tu les fais parler, par exemple, sur leurs défis, ah ben par exemple, mon site web, il ne convertit pas suffisamment de visiteurs en clients. Ah, ben t'as-tu essayé d'avoir une vidéo qui accueille les visiteurs sur ton site web? Il y a une façon aussi de parler de soi sans être dans le... en étant dans la relation d'aide. Encore une fois, je reviens à la relation d'aide, mais toujours dans l'optique de « est-ce que moi, je suis la bonne personne pour t'aider? » Et aussi de cibler les opportunités de dire « Ah, tu vis ce problème-là. Hey, justement, tu devrais rencontrer telle personne ici qui, par exemple, je pense que la personne que je plug le plus autour de moi, c'est David Casseus. David Casseus, c'est un expert il aide les entreprises qui sont dans des défis de... Ouais, évidemment que les mots t'échappent. Croissance. Tu sais, quand tu arrives, tu sais, un des gros défis que les entreprises ont vraiment de la difficulté, c'est quand ils sont surchargés. Là, ils sont dans l'optique où ils devraient aller en croissance, mais ils ont peur, tu sais. Surtout quand tu es travailleur autonome ou c'est-tu le moment d'embaucher, c'est-tu le moment de... David va mettre en place un système qui va aider les gens à passer cette étape-là qui souvent, malheureusement,
quand on n'arrive pas à bien gérer sa croissance, des fois, c'est la mort d'une entreprise. Bref, de pouvoir connecter les gens entre eux, c'est aussi la force du réseautage. Je vais retourner un peu à quelques commentaires. Alice Laflèche qui dit, on peut aussi demander aux gens, what's your story? Qu'est-ce qui t'amène ici? Effectivement. Sure. J'essaie, il y a tellement de commentaires, j'essaie de... Je vais te donner un exemple de ce que je fais en réseautage. Là, souvent, je commence une conversation avec quelqu'un, puis là, j'essaie de changer. Alors, je dis toujours aux gens, je dis là, on va être ensemble 5-10 minutes. Je dis, pourquoi 5-10 minutes? Puis je dis, parce que la salle est grande, on aimerait ça en découvrir d'autres, puis tu viendras avec moi, on ira découvrir d'autres personnes tout à l'heure. Fait que là, je connais pas la personne qui est là. Moi, si tu sais, j'ai zéro gêne, là. Alors, je me plug rapidement avec quelqu'un, puis là, je me déplace dans la salle, puis je vais poser la question à quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai découvert quelqu'un dans la salle qui faisait quelque chose que je connaissais pas, ou alors qui fait quelque chose de très important et qui le fait bien. Et là, je me suis déplacé dans un autre groupe, puis je dis toujours, attends une minute, il faut que tu rencontres cette personne-là. Et je vais la chercher et je la ramène dans la conversation. François puis moi, on organise des événements en salle depuis 3 ans. Nous, on a une bonne vieille habitude, puis les gens qui sont dans la salle actuellement, là, dans la salle virtuelle qu'on a aujourd'hui, le savent pour la plupart. Quand on est dans nos salles à nous autres, à un moment donné, on vous sépare. Alors, vous êtes en train de jaser, ça fait 15 minutes. Moi, là, 3 filles de ressources humaines qui placotent ensemble, là, ça ne dure jamais plus que 15 minutes dans ma salle. Ils sont là 3 heures pour la soirée. Ils disent, les filles, vous faites toutes la même job. Vous êtes en train de parler boulot, là, hein? Laissez-moi deviner. La semaine passée, je fais des embauches. Coupez-moi ça, séparez-vous. Alors, là, puis là, il y en a qui ont l'habitude. Donc, désormais, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont me voir. Quand ils vont voir mon regard, je vais dire, assez longtemps. Ben là, Marie-Claude, par exemple, qui est là toujours, elle est en ressources humaines aussi, c'est une gestionnaire, puis elle aide des gens en RH, Aurélie, tout cas, il y en a plusieurs, là, des filles en RH qui viennent nous voir, puis ils disent, David veut qu'on se sépare. OK, c'est bon. Fait que là, ils splittent le groupe, puis ils s'en vont dans chacun leur groupe d'autres groupes qui sont dans la salle. Et ça fait en sorte que cette dynamique-là, on n'a plus besoin, tu me parlais tantôt, tu sais, des gens qui monopolisent le temps de parole, des choses comme ça. Mm-hmm. Étant donné qu'on finit par créer dans une espèce de clic, de groupe solide, de réguliers, ces gens-là connaissent la drill. On les a habitués à ça. On leur en parle souvent. On leur demande leur collaboration. François, tu te rappelles là, comment on fait ça? Le François Sévigny, qui a été là 10 fois sur 12, dit toujours, pas de trouble, mon David, puis ça va bien aller. Fait que pendant la conversation, il dit, hey, ça fait une couple de minutes. Il dit, toi, Pat, viens avec moi. Puis là, il part, puis ça va rencontrer un autre groupe de gens. Je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, parce que malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir toujours des David Quentin dans chaque événement réseautage. Oui, et donc, il y a quelque chose que tu as dit que je trouve extrêmement, que je vais te voler, c'est sûr, que je trouve extrêmement pertinent, que Denis aussi a souligné, Denis Foucault a souligné dans la conversation. Je vais être avec vous 5-10 minutes. Ça met la table parce qu'un des trucs que j'entends beaucoup que les gens ont de la difficulté, c'est mettre fin à une conversation. Puis moi, souvent, je réponds, ben, dis-leur, ben, merci pour la conversation, je vais continuer à réseauter. On est tous là pour réseauter de toute façon, fait que ça fait du sens que tu... Mais si tu mets la table d'avance, les gens vont... Ils ne sont plus surpris ou choqués ou brassés si tu leur dis après ça, au bout de quelques minutes ou au bout de 15 minutes, bon, ben c'était super intéressant, mais je vais continuer à réseauter. Bon réseautage, parce que tu as mis la table d'avance. Tu les as prévenus d'avance. Donc, honnêtement, je trouve que c'est un beau petit truc pour s'assurer d'être dynamique. Puis ça te met aussi, pas une pression, mais ça te met une règle de dire, bon, mais moi, je passe 5-10 minutes avec chaque groupe, comme ça, parce que c'est facile de dire, ah, je suis bien dans ce groupe-là, je vais rester là, je reste dans ma zone de confort. Toujours. Si je sors et que je m'en vais dans un autre groupe, ça me brasse un peu moi-même. Fait que ça te force aussi à te mettre en mode dynamique. La deuxième chose qui est vraie pour tous les êtres humains, c'est que quand on est bien quelque part, on ne veut plus s'en aller. Mais on ne grandit jamais autant qu'en dehors de sa zone de confort. Ah, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'être humain n'est pas conçu pour ça. Par définition, il faut qu'on... Moi, je suis une machine à changement. Tu m'as déjà vu d'une salle, là, tu sais comment est-ce que je fais ça. Mais la plupart d'entre nous sommes des individus tout à fait dans les normes. C'est-à-dire qu'on aime parler de nous, puis on aime ça quand on est bien. Point. Alors, à partir du moment où le confort est là, d'habitude, l'envie de s'en aller n'est pas très forte. Puis c'est normal. Donc, je pense qu'en mettant la table 5-10 minutes, en disant, je suis venu découvrir 2 d'entre vous aujourd'hui, là, à qui le tour? Ça, j'en ai connu un qui faisait ça comme ça dans un groupe de 6. Par exemple, il dit bonjour, hein, je n'ai pas beaucoup. Je vais rester 5-10 minutes avec vous autres, mais j'aimerais ça en découvrir 2 un peu plus. Là. Qui parlait de ces gars? Je t'écoute. un exercice qui est le fun aussi, c'est de présenter. Mettons que tu es avec une autre personne, oui. C'est de la présenter elle pour s'assurer que d'avoir fait l'exercice, d'avoir bien compris ce que la personne. Bien, on va aller joindre un autre groupe, puis. On se présente mutuellement, qu'est-ce que tu en penses? C'est un super bel exercice pour justement travailler non seulement son écoute active, mais aussi
aider l'autre à se présenter peut-être différemment parce que tu as pensé à des trucs différents. Tu parles de changement, puis j'aimerais ça qu'on conclue un peu là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui nous attend une fois qu'on retourne au réseautage en personne, qu'on va enfin à nouveau se donner des câlins? Moi, ça me manque, tu le sais, de pouvoir rencontrer les gens. Ça va être quoi les changements que la pandémie, les leçons de la pandémie, les leçons du réseautage virtuel? Comment ils vont être différents, les LinkedIn locales? Comment le réseautage d'affaires va être différent quand on va être tous vaccinés? Je crois que profondément, un modèle hybride va voir le jour. Je pense que c'est ça qui va se produire. Pour l'instant, moi, je l'ai essayé là dans un LinkedIn local d'avoir des interlocuteurs étrangers. Alors, j'ai déjà réussi à avoir mes chums australiennes à LinkedIn local Sydney, Jane puis Jillian, qui sont des amis maintenant, mais elles étaient branchées avec les autres. C'était technologiquement tellement un challenge que de réussir à les faire interagir avec la gang qui était dans la salle que finalement, ça tombait mort, cette idée-là, puis on a arrêté de le faire. Mais je crois que ça ne sera plus nécessairement quelque chose qu'on voudra refuser juste parce que la technologie n'y est pas. Donc, la technologie a beaucoup évolué en une année, simplement, déjà. Ensuite, je pense que le réseautage en personne est très intéressant, mais va demeurer frileux. Va demeurer une activité frileuse pour beaucoup de personnes. Les gens qui vont continuer de dire « Je ne sais pas si je suis prête à y aller. Je ne sais pas si je suis intéressé à aller me rencontrer, même me mettre dans une foule de gens et me faire toucher dans le dos. » Je crois qu'il va y avoir une espèce d'inquiétude peut-être, pas généralisée, mais il va y en avoir une chez certaines personnes. Alors, je crois que l'idée d'avoir une formule hybride, tu peux venir dans la salle puis prendre un drink, mais tu peux avoir la version virtuelle où tu vas collaborer avec tes sous au succès de la soirée, mais sans le montant d'argent qui vient avec le drink, avec les bouchées, des choses comme ça. Mais tu vas quand même pouvoir participer. Des grands écrans, différentes caméras. Je crois qu'il va falloir qu'on en vienne à ça. Moi, j'en ai déjà parlé avec François. Je pense que c'est quelque chose qui nous tente beaucoup d'aller dans une formule hybride où on pourrait avoir toute la gang de Montréal qu'on aime tant, qui ne seront pas présents dans une activité un mercredi soir à Québec. Ça se peut très bien qu'on les ait plus jamais dans notre salle, ces gens-là. Puis pour moi, ça va être un pincement au cœur parce que je crée des amitiés, je crée des relations et beaucoup de gens qui sont en ce moment en train de nous écrire que j'ai jamais rencontré puis que je pourrais peut-être jamais rencontrer avant un bout de temps. Là. Hey, tu vois, je sais pas. Je vais voir dans ma salle, moi. C'est sûr que tu tiens un point intéressant, une formule hybride, ça fait du sens. Mais en même temps, je pense que les gens vont aussi avoir un besoin de rencontre. Moi, j'ai encore plus le goût de monter à Québec une fois que la pandémie va être terminée. On salue Léo Léo Drolet qui c'est plaisant de nous écouter. On parlait de l'entremetteur tantôt, justement. Oui. Je pense que des formules humaines et chaleureuses comme l'entremetteur, comme les LinkedIn locales, vont probablement de beaucoup plus supplanter les formules plus froides comme les 5 à 7 ou que c'est moins organisé ou en tout cas les gens sont plus random. Je pense qu'on va aller vers des formules très humaines, très chaleureuses où on va pouvoir justement connecter avec des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de mettre la relation au cœur du réseautage et non pas les pitchs de vente au cœur du réseautage. Denis Foucault, oui, l'émission est en rediffusion, autant en version audio, parce que c'est un podcast qui s'en va après ça sur toutes les plateformes de podcast, que ça reste sur mon LinkedIn et sur ma chaîne YouTube aussi. Merci Simon, effectivement. On est live sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn, donc ça reste aussi sur mon YouTube. Le mot de la fin, David, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné qui serait vraiment important de nommer? Hey, Seigneur. OK, oui, il y a quelque chose. Ne vous préparez pas à faire quelque chose en particulier pendant que vous êtes en réseautage. Préparez-vous donc juste à vous faire découvrir vous, point à la ligne. Laissez faire le reste, ça n'a pas d'importance. C'est juste vous autres qu'on veut découvrir. Puis ça, c'est bête, là, mais des fois, on se dit, bon, là, aujourd'hui, je vais parler de ça, puis je vais dire ça. Retirez-vous cette notion-là de préparation. Allez-y avec qui vous êtes, c'est tout. Puis si ça sort un peu étrangement, vous le direz, mon Dieu, ça a sorti bizarre, ça. Puis vous recommencerez votre phrase. Il n'y a personne qui meurt de ça. Le taux de mortalité, je finirai avec ça, le taux de mortalité d'une activité de réseautage est autour de 0%. Alors, c'est pareil pour les messages vidéo, c'est pareil pour publier sur LinkedIn, c'est mon expression favorite, le taux de mortalité est à 0% en réseautage. Essayez donc d'être juste vous-même, vous devrez bien faire la job. Et dans le même esprit que tu viens de dire, je dirais, soyez ouverts à sortir de votre zone de confort, c'est là que vous allez triper le plus.
Merci, David. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te rejoindre si on veut en savoir plus sur le merveilleux personnage qui est David Quentin? Merci. Comment on fait pour connecter avec toi? Grosse nouvelle, vous allez me trouver sur LinkedIn. c'est très facile. Allez pas sur Facebook, les amis. J'y vais là une fois par semaine, puis c'est pour me plaindre que je vois encore des photos de barbecue. Alors, non, venez me voir sur LinkedIn. Venez jaser. Offrez-moi donc un café virtuel. J'offre 30 minutes à personne qui a le guts de me l'offrir. Alors, c'est gratis, puis c'est toujours une bonne conversation. Nadine en a profité, d'ailleurs, qui est dans notre conversation. On a eu cette conversation-là, elle et moi. Et je l'ai eu avec beaucoup d'autres, d'ailleurs. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à jaser avec des Denis Foucault de ce monde, puis d'autres personnes. C'était avec 30 minutes comme ça, au hasard de la vie. C'est toi qui m'as donné cette piqûre-là de café virtuel. Avant même que la pandémie commence, tu me disais, ah, moi, ce que j'aime, quand il y a des nouveaux contacts, des fois, je leur disais, hey, ça te tente-tu, on va se parler ou on va aller prendre un café. Ah, c'est brillant, ça, David. Il tient quelque chose-là. Puis depuis ce temps-là, c'est systématique. Mon calendrier, il y a deux calendriers. Il y a mon calendrier partir en affaires, puis il y a mon calendrier café virtuel. Voilà. Puis mes cafés virtuels, c'est deux journées par semaine. Puis je les book back-à-back. Merci beaucoup, David. Merci pour ta générosité, surtout. Pour ma part, si vous voulez me rejoindre, bien, c'est aussi sur LinkedIn ou encore MathieuChevalier.com. Si vous voulez que je vous aide à faire des vidéos qui vont vous donner le goût à vos clients potentiels de faire affaire avec vous, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais de mieux, de vous mettre de l'avant pour que vous puissiez faire vibrer vos clients idéaux. Merci encore une fois, David. J'espère qu'on aura la chance de faire un autre épisode ensemble parce qu'il y a tellement, tellement de beaux sujets riches dont on pourrait parler. C'est sûr qu'on pourrait parler pendant 12 heures. On aurait bu une coupe de bouteille probablement de whisky d'ici la fin du 12 heures, là, mais on ne manquerait pas de sujet de conversation. Toi et moi, on est capable d'étirer ça bien longtemps. Je pense que les gens avaient bien compris le principe dès les premières minutes. Exact. Merci, David. Merci beaucoup. À la voiture.